77, eh bien, c'est la confirmation du succès de La Parisienne, puisque je reçois le disque d'or pour ce titre-là. Et puis, les années se suivent, toujours dans la joie et le succès, et l'insouciance de la jeunesse. Toutes les années, je pars en tournée d'été, d'automne, de printemps, d'hiver avec Serge Lama. Et à toutes les places, en vedette anglaise, américaine, c'est-à-dire en levée de rideau, et puis après avec un peu plus de chansons, et puis après en vedette américaine avec 5 ou 6 chansons, c'est-à-dire que je termine la première partie. En 1980, Max Sanfuchs et Maurice Marouani décident de s'associer pour me produire au Théâtre des Variétés. Où je vais faire un spectacle toute seule comme une grande, mise en scène par Bernard Lyon, qui était un grand réalisateur de télévision et que j'avais rencontré au cours des plateaux de télé, adorable, et qui me fait une mise en scène extraordinaire. Et donc je suis partie toute seule, je quitte les associations avec Serge, pas humainement parlant, puisqu'on est toujours très très associés par le cœur, mais professionnellement, en faisant une dernière tournée en 81 ou en chorécital, où on chante une heure chacun son tour. Et donc, c'est très, très émouvant parce qu'après, on sait qu'on part chacun de son côté. Donc voilà, 81, pour moi, c'est une année charnière aussi.